Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragma. On se retrouve avec quelques lectures manga et on attaque avec The Rising of the Shield Hero. C'est celui qu'il fallait absolument que je vous parle parce que j'en avais dit déjà plusieurs fois avant. Je trouvais que le manga devenait de moins en moins intéressant. Et effectivement, je trouve encore. Il se passe des choses, hein, y a pas de problème, il se passe quelques trucs sympatoches. Mais on a perdu un peu ce côté qui faisait que j'adorais The Rising of the Shield Hero. Je suis de moins en moins dedans. Franchement, je suis un peu deg, je suis beaucoup moins dedans. Pour rappel de l'histoire, c'est plusieurs humains qui ont été invoqués dans un nouveau monde. Et chaque héros a une arme divine, donc on a le héros de l'épée, le héros de la lance et le héros de l'arc, et nous avons le quatrième héros, le héros du bouclier, sauf que le bouclier n'est pas considéré comme une arme pour eux, c'est considéré comme rien du tout, voilà, c'est encore une fois je trouve ça que c'est aberrant, quand tu connais un minimum les RPG, les MMORPG, tu sais très bien que les paladins, ça fait partie des classes les plus importantes, je veux dire c'est souvent le pilier d'un groupe, hein, c'est paladin et clerc, enfin, guérisseur, tout ça, c'est les deux classes les plus importantes. Les DPS, alors oui, c'est très utile, certes, mais c'est clairement pas les plus importants dans un groupe. Hein, c'est clairement paladin, guérisseur en premier, et après tu prends des DPS. Là, du coup, donc voir un manga où ils se disent le bouclier ça sert à rien, tu te fais. Enfin bon voilà, ça c'est un petit peu le truc particulier. Et du coup notre héros va être totalement abandonné, il va être trahi de part de tout le monde. Et il va dire, eh bien allez vous faire foutre si vous voulez pas de moi, eh bien je vais me débrouiller tout seul. Il va recruter une esclave semi-humaine, donc une Raphtalia qui est du coup une semi-humaine. Il va en faire son esclave, il va l'entraîner et il va aussi obtenir une autre fille qui va du coup lui servir aussi deux guerrières, donc voilà, il est accompagné quasiment que d'esclaves, hein, pour le coup. Et on suit sa petite aventure. Le truc, c'est que au début, le côté un peu anti-héros, c'est ce qui faisait la force de Naofumu. Et au fur et à mesure, on a perdu ce côté-là, puisque les gens ont commencé à lui faire confiance, les gens ont commencé à être de son côté, donc on a toujours des gens qui sont contre lui, bien évidemment, hein, mais de moins en moins, en fait. Et maintenant, les ennemis, ce ne sont plus les habitants, le royaume, tout ça, c'est d'autres personnes. Donc c'est bien, il y a toujours du contenu, il y a toujours quelque chose. Mais je trouve qu'on perd énormément de ce côté, la force qui faisait le manga. Moi franchement c'était le côté anti-héros qui était ultra appréciable. Alors ça aurait pu être bien géré quand même. Mais là le souci c'est que on va de plus en plus dans des trucs, j'ai envie de dire, avec beaucoup de détails, où il se passe des trucs assez incroyables en soi. Mais c'est tellement lent que j'ai du mal à adhérer ces derniers temps. Là, pour vous dire, sans trop vous spoiler, on avance encore plus loin dans l'aventure avec d'autres trucs. J'essaie de pas trop vous spoiler non plus. Le souci, c'est que je le redis, c'est très lent, c'est assez mou et il se passe pas énormément de trucs. Et encore une fois, je le redis, la force du manga était clairement, pour moi, Naofumu avec son côté anti-héros. Alors bien évidemment, on a plein de personnages sympas, Naofumu, Raphtalia, Philo, tout ça. Les trois personnages principaux sont très intéressants, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça suffit plus, je trouve que ça ne suffit plus du tout. Là on a le tome 16 était un poil plus intéressant, mais je l'ai dévoré, hein, ça, y avait pas de problème. Mais encore une fois je trouve que c'est extrêmement mou actuellement. Donc voilà, je suis de plus en plus déçu, c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment une série, j'ai regardé tout l'animé, le manga, j'ai fumé, j'ai pas resté le défendre, le conseiller et tout. Et là maintenant je suis un peu en mode, ah merde, je me fais de plus en plus chier. Donc moi j'attends quand même la suite de l'animé, parce que l'animé ça se trouve sera plus intense que le manga. Mais à voir, voilà, le manga est assez long, hein, c'est un light novel à la base. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Mais là, actuellement, dans Rising of the Shield Hero, va falloir que tu te bouges le cul parce que là, ça perd un peu dans mon estime. Hein. Ensuite, nous avons Noble New World Aventure. Alors lui, par contre, c'est tout l'inverse. Enfin, tout l'inverse, non, j'aimais déjà bien le manga de base. Et je vous le reconseille fortement, hein, c'est du Komiku. Je sais que certains se méfient de Komiku. Mais c'est une excellente série. Donc lui, c'est pour l'histoire, c'est un jeune homme qui a été réincarné dans un jeune garçon qui va voilà, être extrêmement pété puisqu'il va obtenir les bénédictions de tous les dieux de ce monde-là. Je crois que si j'ai pas de bêtises, ils sont 7. Et du coup, il va avoir des stats totalement abusé. En fait, c'est un isekai qui prend les codes de ce qu'on a l'habitude de voir dans isekai, mais qui les booste au maximum, c'est-à-dire qu'il les assume totalement, et il les met, mais d'une façon extrême. Genre, il y a du harem, il y a du le héros est pété, le héros devient extrêmement puissant, extrêmement riche, tout ça. Bref, il y a beaucoup de trucs qu'on a l'habitude de voir et qui est extrêmement cliché, mais c'est pas un problème, puisque c'est totalement assumé. Et que ça en devient très drôle justement. Et là on commence d'ailleurs de plus en plus à rentrer dans un sujet le plus sérieux. Je trouve que le quatrième tome était le tome le plus sérieux pour l'instant.
Et c'est vraiment une aventure qui est très très cool, ça se lit très bien, ça s'enchaîne, franchement à chaque fois je le lis en 2-3 mouvements, c'est une putain de merveille à lire. Et le truc, c'est que vraiment, pas assez connu je trouve, Noble New World Aventure, je pense que très peu de gens connaissent ce manga, ou très peu l'ont lu en tout cas. C'était vraiment toi là, si je devais dire en ce moment entre The Rising of Shield Hero et Noble New World Aventure, eh bien j'ai une grosse préférence par Noble New World Aventure, clairement, hein, je suis bien plus au-dessus. Alors il y a Mushoku Tensei qui est bien au-dessus de deux, hein, mais là c'est encore un cran particulier, j'attends encore la suite de Mushoku Tensei. Mais voilà, Noble New World Aventure. Et encore là, il y a Rifutera qui est arrivé dans mon petit cercle de manga favoris ces derniers temps. Mais là, ouais, Noble New World Aventure, ça avance très très bien. C'est rien à redire, on monte les échelons au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai très hâte de le voir arriver encore plus haut. Là, actuellement, le truc qui devient sérieux, c'est qu'on commence réellement à avoir un ennemi. C'est qu'en fait, à la base, c'est le héros, il était en mode, vas-y, j'avance, peinard, tout ça. Et là, on commence un petit peu à avoir le côté, voilà, un ennemi fatidique va arriver à un moment donné. Il commence à avoir quelques rivalités, parce qu'avant, il en avait pas vraiment un peu vis-à-vis de la noblesse, puisque là, il fait que c'est un jeune homme de la noblesse. Mais là, vraiment, oui, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, donc. Je vous le conseille toujours autant, c'est une série qui, malheureusement, je le redis, pas assez connue à mon goût, qui est toujours aussi bien et qui vaut vraiment le coup d'œil. Alors, si vous êtes fan de Isekai, vous allez surkiffer, et si vous aimez le fantasy, bah, ça vaut quand même le coup d'œil, ça vaut vraiment le coup d'œil. Même si vous n'êtes pas fan de Isekai et que le fantasy vous aimez bien, franchement, allez-y, pour moi, c'est une valeur sûre. Et on finit avec Quand Takagi me taquine. Alors, je pense que vous êtes au courant, je suis un grand fan de cette série. C'est le manga détente. Ça, j'aime bien les aventures, j'aime bien les trucs bien complexes, les séries policières, les trucs du genre. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi les mangas où tu es là juste pour te détendre. Quand Takagi te taquine, tout est dans le nom. En gros, c'est Takagi qui n'arrête pas d'arrêter d'emmerder Nishikata, donc son voisin de classe. Au début, c'est son voisin de classe en tout cas. Où elle n'arrête pas de l'embêter, de le taquiner, tout ça, avec des petites blagounettes, voilà, elle se fout de sa gueule. Elle lui fait des farces, elle le gêne, tu sais, genre en faisant des sous-entendus par rapport au fait qu'elle pourrait être amoureuse de lui, des trucs du style. Et Nishikata, lui, pareil, son objectif, c'est de l'emmerder à chaque fois. D'ailleurs, un truc qui me fait marrer. Alors, je trouve Nishikata basique, mais il est marrant dans le sens où bah, c'est lui qui subit un peu, mais il reste. Tu t'y attaches au gamin. Takagi, par contre, est génial, ça y a un hardi là-dessus. Le truc qui me fait très marrer, c'est genre, il s'est fait un objectif, c'est que à chaque fois qu'il se fait avoir par Takagi, il doit faire 10 pompes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il se fait avoir tellement de fois par elle qu'au bout d'un moment, il doit faire des tonnes de pompes. Et j'aime bien, c'est le bon objectif à se faire, tu sais. Genre, tu te fais un objectif à la con, si tu n'arrives pas à faire cet objectif, tu dois faire des pompes ou un exercice ou un truc du genre. Ça a l'air de rien, mais je trouve ça très marrant comme principe. Et c'est un petit truc à la con, hein, mais ça m'a fait bien rigoler. Et voilà, tout le manga est basé sur voilà deux gamins qui sont oui, je crois qu'ils sont en primaire si je dis pas de bêtises, en primaire, qui n'arrêtent pas de se faire des petites farces, voilà, c'est primaire ou collège, je sais plus trop, je crois que c'est primaire de base, et voilà, c'est juste des petites farces, tout ça, mais c'est très rigolo, voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est très bien, c'est comme au grand air, c'est vraiment, voilà, tu profites, tu te détends, et tu rigoles par rapport à ce qui se passe, voilà, tout simplement. J'arrête pas de tousser, je m'excuse. Donc sur ce, c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine, chers mortels.